Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et aujourd'hui on se retrouve pour une astuce, comme vous avez pu voir dans le titre ainsi que dans la miniature, nous allons parler capsule. Mais sans plus attendre, nous allons nous TP à Uranium Fever. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez aussi comprendre que c'est une voix off que je suis en train de faire, donc j'ai enregistré les gameplays avant de mettre ma voix dessus de celle-ci. Donc vous allez voir que en fait, dans la vidéo, tout est dans l'ordre, sauf que moi, je l'ai fait dans le désordre. Là, on fait Uranium Fever, et en réalité, Uranium Fever, je l'ai fait en dernier. Parce qu'il spawnait pas, et vous savez qu'avec Bethesda et les bugs, on est assez servi. Bref, vous l'avez dans l'ordre, et c'est le principal. Donc, nous allons faire Uranium Fever pour pouvoir looter un maximum d'armes, de viande ionisée, et tout ce qui est combinaison de minier, tout ça, tout ce qui est dégueulasse et qu'on recyclerait d'habitude, voilà. Tout simplement. Donc, par contre, c'est possible de le faire en serveur public, bien entendu, hein, ce qui est simple à faire, hein, même juste cette phase-là d'ailleurs. Mais, de préférence, Fallout First, monde privé. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, on parle au robot, on tue vite fait une taupe minière. On parle au robot. Et donc, ce que je disais aussi avec ça, c'est que déjà, en Uranium Fever, vous êtes tranquille hein, si vous êtes dans le monde privé. Hein, vous avez les taupes minières rien que pour vous. Et je pense que c'est très, très, très facile d'avoir le loot, surtout. Voilà. Donc, du coup, ce que je disais avec ça, c'est que il faut tout looter, il faut tout prendre. La première phase qu'on fait ici, c'est, vous allez comprendre juste après, vous la faites une seule fois par jour. Vous pouvez pas faire ça plusieurs fois par jour. Une seule fois. Elle est disponible une seule fois par jour. Pour ceux qui ont compris, c'est bien sûr la revente au vendeur de Wexprint. Donc vous allez voir comment j'ai procédé. C'est très simple. Même avec un point d'encharisme, vous pouvez vider l'entièreté du vendeur. Donc voilà. Donc vous allez vider l'entièreté du vendeur. Après, c'est très simple à faire. Vous pouvez faire ça avec l'eau purifiée, mais bon, Uranium Fever une fois et vous êtes tranquille. En plus de l'XP et des trois légendaires qui pop. Donc. Du coup, la deuxième phase est beaucoup plus intéressante puisque celle-ci est illimitée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le mot illimité dans le titre, hein, sinon ce serait pas le cas, je l'aurais pas mis évidemment. Donc voilà. Bref, lançons, Voilà, la procédure est lancée. Donc maintenant nous allons faire Uranium Fever. Je vais finir l'événement, je vais tuer toutes les taupes minières et je vais toutes les looter. Sur ce, je vous dis à tout de suite quand j'aurai terminé l'événement et terminé de looter. Merci.
voilà, j'ai donc fini de tout ramasser et fini l'événement. Donc on a pas mal de loot dans notre inventaire maintenant. C'est-à-dire des armes, voilà, comme vous pouvez le voir, des armes gantelets d'écorcheur, de taupe minière, pardon, des fusils de combat, des fusils d'assaut aussi, voilà. Surtout dans ce qui est du bric-à-brac, hein, voilà, on va avoir beaucoup de, par exemple, restes de combinaisons de mineurs, etc. Beaucoup de choses comme ça qu'on va pouvoir revendre d'ailleurs. Et je vais même pouvoir revendre la viande ionisée. La viande ionisée, croyez-moi, ça se vend pas mal. Donc maintenant nous allons remonter jusqu'à la gare. Et moi je vous dis rendez-vous devant. Et nous voilà devant le marchand pour tout vendre. Alors, même avec un point de charisme, vous ajoutez la carte dur en affaires. Même si vous avez que un point en charisme, si vous pouvez en mettre les trois, la carte de 3 points, mettez-la. Sinon, mettez juste une étoile hein, si vous avez un point en charisme et utilisez un petit menta raisin. Et vous verrez que ça fait pas mal de capsules. Voilà. Donc là, on va vendre, 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 vendre. Alors, petit message au passage, si vous aimez les jeux comme les cache-cache, tout ce que je fais avec mes abonnés, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté Fallout 76 Stockwing 97 où je ferai gagner dans les cache-cache ou les activités comme ça des armes à explos, ou des items ou encore, comme j'ai pu faire récemment, un Fallout First. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez participer à ces jeux et gagner, bien entendu. L'item qui sera proposé durant ces mini-jeux, voilà. C'est-à-dire Fallout First, item du jeu, voilà. Et le Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord qui sera en bas de la description, voilà. Pour parler de tout et de rien, Fallout 76, voilà, ou même de la vie, ce que vous voulez, des projets, peu importe. Voilà. Même pour vendre aussi, parce qu'il y a un petit salon pour vendre sur PS4, PC ou Xbox aussi. Et rencontrer des gens permettra de jouer aussi. Si vous n'avez pas trop d'amis, n'hésitez pas à contacter les gens qui sont sur le Discord. Voilà, il y a de tout. Et j'ai même oublié de revendre la viande ionisée. Voilà, j'avais complètement zappé. Donc je vais en profiter aussi pour vendre mes drogues, mes choses que je me sers très très peu. Donc voilà, quasi jamais d'ailleurs. Hein, voilà. Donc par exemple les radix dilués. J'ai trop de radaway, je vais en vendre quelques-uns aussi. Voilà. Et surtout la viande ionisée qui pèse beaucoup et qui demande beaucoup de capsules à la revendre, bien sûr. Voilà, 31 quand même. Luminescente, pas ionisée, viande luminescente, voilà. Donc là, j'essaie de trouver le juste milieu pour avoir pile 151. Mais malheureusement, je n'aurai pas ce nombre-là. J'aurai 150 tout court, ce qui laissera une capsule au vendeur. Une seule. Bon, on va pas pleurer pour une capsule, je pense qu'on s'en fout tous. Mais ce qui m'a permis d'atteindre les 20 000 capsules sur ce bonhomme-là, en tout cas. Voilà. Comment être full capsule? Donc voilà. Au moins pour la première phase, c'est réglé. Nous allons passer donc à la phase suivante, qui est le farming en illimité, qui est dans le titre. Donc les capsules en illimité, qui veut dire aussi sur les mobs. Voilà. Donc là, on va se taper sur une zone, et c'est là que vous parlez de l'avantage d'avoir le first. Donc moi je vous dis, Avant ça, ah, nous allons nous rendre au Capitole, parce que oui, là aussi, il y a des mobs qui peuvent vous donner des capsules. Nous y sommes au Capitole actuellement, et nous allons tuer le mob qui vous donnera des capsules. Dans cette deuxième phase, vous allez voir deux mobs. Le premier, le monstre de Krafton, que je viens de descendre actuellement devant vos yeux, est un joli mob qui vous donne justement des capsules. Et vous avez pu voir aussi que là, il me manquait des capsules. J'étais à 20 000, là je suis à 16 000 quelque chose. Voilà, 16 302. C'est tout à fait normal, puisque je vous rappelle, ça, c'est la première phase que j'ai fait, puisque je l'ai fait dans le désordre. Donc rendez-vous Et nous au voilà deuxième lieu de spawn, le deuxième lieu de spawn où il y a le fameux
monstre de Krafton. Alors, c'est un lieu de spawn où il y a normalement deux monstres de Krafton. Si je ne me trompe pas, corrigez mon commentaire si c'est le cas. Ici, je n'en verrai qu'un seul. Et vous verrez d'ailleurs, je ne pourrai pas le loot. Regardez bien la magie de Bug'Desda. Donc là, je le tue. Tout se passe bien, comme vous avez pu le voir. Mais malheureusement, voilà. Il se passe que je peux traverser son corps, mais je ne peux pas le looter. Voilà. Merci, Bug'Desda. Ça fait plaisir de rencontrer ce genre de bug. Hein. Ça et les erreurs d'application aussi. Si vous êtes sur PS4, vous devrez comprendre. Heureusement, la PS4 Pro permet d'éviter ce genre de choses sur le maléfice. Voilà. Moi je dis, le PC, c'est très bien, puisqu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a des bugs, certes, mais c'est plus automatisé, optimisé. Et la communauté, surtout, est différente sur PC, puisque nous rencontrons moins de personnes de niveau intellectuel basse. Donc par conséquence, on est plus tranquille sur PC. Puisque déjà c'est pas le même budget et donc un triage est fait de ce côté-là, heureusement. Donc là je pars chercher le deuxième, mais le deuxième ne sera pas là. Voilà. Donc est-ce qu'il y a vraiment un deuxième monstre de Krafton et qu'il a pas spawn? Soit c'est moi qui me suis mis en tête qu'il y ait deux monstres de Krafton à cet endroit-là. Sauf que non, visiblement. Donc voilà, vous dites-moi en commentaire s'il y en a deux ou bien s'il y en a un seul. Donc là, nous allons nous TP à la deuxième zone pour le prochain mob qui vous donnera les capsules, et c'est là où je vais vous parler Et du Rush, on first. se retrouve Dans la deuxième zone, pour le deuxième mob, donc nous allons aller ici, là où je suis actuellement, et également ici, pour trouver ce fameux mob, voilà, ici, donc près du camp Ventour, hein, qui est à côté, juste à gauche, et à Danagra, voilà. Alors, trois mobs les mêmes, mais des pourcentages différents. Celui-ci est à 100%. Donc ça veut dire que vous pouvez le rencontrer à 100%, et donc le tuer à 100%. Le lieu de spawn de ce mob est 100%. Voilà. Bon après, évidemment, s'il n'est pas là, c'est peut-être un bug ou deux, mais là, c'est 100%. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier mon pote qui m'a donné ces informations, donc qui m'a beaucoup aidé pour faire les vidéos, hein. D'ailleurs, sur l'armure de Coca-Cola, Quantum, la X01, et tout ce qui va avec. Voilà. Donc merci à toi. Faisant partie de la communauté fantôme. Donc voilà, nous avons rencontré le premier mob. Vous avez pu reconnaître le méga RSE balourd, niveau 40. Non seulement vous allez tuer ce mob-là pour avoir les capsules, mais aussi les vis et l'XP. Alors vous voyez cet endroit où je suis? C'est le premier endroit. Si vous êtes first, l'avantage est pour vous. Vous mettez votre tente à cet endroit-là. Comme ça, votre lieu de spawn est la tente. Vous ne paierez pas. Le deuxième lieu de spawn, c'est là où je vous ai montré, au camp Ventour. Donc nous allons y aller dans très peu de temps, là. Et c'est là que vous devrez mettre soit votre camp ou soit votre tente. Donc inversement, peu importe. Comme ça, vous ne paierez pas le voyage et vous faites de cet endroit-là à Tanagra gratuitement sans payer. Voilà. Un maximum d'économie et par conséquence, plus de capsules. Donc rendez-vous à cet endroit. Et on se retrouve au deuxième lieu, le deuxième lieu où on pourra avoir le deuxième méga RSE balourd. Cette fois-ci, il va falloir faire attention parce que son taux de spawn est à 80%. Ça veut dire que vous avez quand même 20% de risque de ne pas le rencontrer. Ça veut dire, comme il est dans l'arbre celui-là en plus, il va falloir que vous checkiez à gauche et à droite, même derrière vous, et à spammer la touche Svav. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu compliqué de pouvoir le voir, surtout que s'il est dans l'arbre, il est assez bien camouflé. Donc faites attention de ne pas le louper, parce que ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'est un des co-reco que j'ai fait parce que je ne l'avais pas trouvé. Et ça tombe, j'étais passé juste à côté qui était dans l'arbre. Voilà. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas à tourner sur vous-même, checker avec le Svav, et dès que le Svav se met dessus, vous l'avez. C'est pas très compliqué. Donc voilà, là je vais certainement le trouver en faisant le Svav. Là, je vais boire une fois ou je vais manger, je ne sais pas. Je vais certainement manger, voilà, j'avais faim. Bref. Alors, où est-il? Où est-il? Je tourne en rond. Je ne le trouve pas. Va-t-il être devant moi? Va-t-il apparaître devant moi? Bonne question. Ça tombe, vous l'avez vu et moi, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, là-bas dans l'arbre. Oui, il est bien caché quand même, hein. Si vous faites pas attention et pas le Svav, vous le voyez pas. Hein. Moi, j'étais parti pour me déco d'ailleurs. Voilà, donc maintenant on le fume. C'est aisément. Hein. Voilà, 17 capsules, des vis et de l'XP. C'est pas mal. Donc maintenant, on va se retrouver au troisième endroit
à Tanagra. Voilà, Ville de à Tanagra. Tanagra, à la recherche du troisième méga RSE pour, bien sûr, évidemment, les capsules qu'il peut nous offrir. Donc là, il est devant nous. Donc j'aurais même pas besoin de faire un décoroco. Il est pile devant nous. Il s'offre à nous. Il n'y a plus qu'à tirer, tout simplement. Donc là, voilà, je vous affiche encore Tanagra pour être sûr que je l'ai bien affiché. Hein, de là, là. Donc là, vous mettez votre tente du first ou votre camp, un des deux. Et donc, au premier spawn, là où je vous ai montré tout à l'heure le premier méga RSE, vous mettez soit votre tente ou votre camp pour ne pas payer. Et vous faites deuxième spawn au troisième en marchant ou en courant, comme vous voulez. Et bien sûr, sans payer. Donc voilà, capsule, vis et XP supplémentaire. Là, je vais certainement jeter un Steam Pack ou deux parce que je suis C'est donc la fin de full. cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est toujours pas fait, à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis, à rejoindre le Discord pour que vous puissiez communiquer avec nous, avec moi, parler de tout, le Fallout 76, vendre vos armes, discuter, chercher des joueurs avec qui jouer. Voilà. Xbox, PC, PS4, peu importe. À rejoindre ma communauté PS4 qui est en inscription pour pouvoir participer au mini-jeu avec les abonnés et pouvoir gagner peut-être encore Fallout First, qui est très bien pour la tranquillité, et la tranquillité n'a pas de prix. Ainsi que des items comme armure, les 10 sérums du dernier cache-cache d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, et ainsi que des armes explos et j'en passe, j'en passe, j'en passe. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça fait deux fois je le dis, et moi je vous dis, bye tout le monde.